C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est là. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ce salopard. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. La criminalité a même baissé. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu au pouvoir. Merci. Avec plaisir. Ah, merci, mon chou. Bien. Ça quoi? Comme d'hab? Ouais. Donc, une salade au poulet sans vinaigre. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien à ma femme. Comme vous voudrez, monsieur l'agent. Oh, et faites-moi signe si vous voulez du café. Voici gaufre avec supplément de bacon. Excusez-moi d'interrompre votre repas, agent Owens, mais il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. 2 secondes, je vais le voir. Eh bien, salut à tous, c'est Juanito et bienvenue sur ce nouveau Let's Play sur Batman Arkham Knight. Que j'ai acheté sur Xbox One. C'était un let's play que je devais sortir depuis un très long moment. Et comme j'ai eu des problèmes de boîtier d'acquisition, oui c'est bon tailleur, de boîtier d'acquisition, du coup j'ai dû en acheter à nouveau pour pouvoir vous faire ce let's play. Donc on est parti sur une grande aventure Batman Arkham Knight. C'est un jeu que j'ai déjà bien avancé, j'ai pas fini à 100%, j'ai fini à 81% puisque c'est un jeu assez complet et avec beaucoup de missions à faire. Donc je connais l'histoire principale à peu près, je l'ai vu une fois donc je la connais pas par cœur. Donc on est parti sur ce nouvel display, et là on est l'agent Owens, donc nos joueurs basiques de la GCPD, Gotham Police District, GCPD, Gotham City Police District, voilà. Et on va aller voir cet homme chelou, qui est en train de fumer, c'est interdit monsieur. Et ce que l'agent Owens ne sait pas, c'est que tout ce qui va se passer là, va déclencher une guerre sans merci. Excusez-moi monsieur. Allez, on va lui parler. C'est mon fumeur ici. Mon dieu, qu'est-ce que ça? Et voilà, c'est parti pour la folie. On sait ce qui se passe généralement, enfin pour les fans de Batman, on sait ce qu'il y a. Quand il se passe ce genre de choses, quelle toxine nous infecte.
c'est celle de l'épouvantine Dr. Craig. J'en fais plus trop panique. Ouf, c'est la violence. C'est la violence. Et il faut dire que quand j'ai commencé la première fois Batman, j'ai dit, ouais, ils nous ont mis en mode FPS sur Batman, non, c'est déconné, t'es. Pas ça, pas ça. Oh, je t'ai dit, pas ça. Killer ! Voilà. En fait on est sur un Call of, je vous ai menti, on est sur Call of Black Ops, eh ouais, sur la zombie, ouais. Ah putain, en fait, c'est peut-être The Walking Dead, je sais pas. La folie. La folie a gagné Gotham. C'est un peu pensé au dernier Batman de Nolan, avec Crisis. Quand Bane prend le pouvoir, mais là c'est... Cette saga de jeu est tellement mythique. Hier, Gotham City comptait en tout 6 300 000 habitants. Aujourd'hui, beaucoup moins. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham. Les crapules. Les criminels. Chef de gang. Et pire encore. Il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. C'est le bordel. C'est le bordel. Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Oh, elle est nous. Et voilà. Le plus grand de tous. La légende. Désolé, mes chiens se battent à côté, c'est un peu relou, ça me gave. À chaque fois c'est pareil, c'est tout calme avant le record, et dès que le record est lancé, il y a le tous les travaux qui s'y mettent, il y a les chiens qui se battent, c'est un peu chiant. Ouais, bon, on va faire avec, hein. J'espère qu'on ne nous entend pas trop, désolé. Je vais aller régler leur compte après à ces enfoirés. Je vais même y aller maintenant parce que ça devient un peu chiant, mais moi je les entends à travers le casque, donc... Allez, on y retourne cette fois-ci. C'est la bonne, c'est la deuxième fois que j'ai fait le passage tout à l'heure, mais mon micro était coupé. Donc c'est parti, on va rejoindre Green Gordon au commissariat de Jokeda, pardon. Je reteste un petit peu les boutons. Il y a longtemps que j'ai pas touché Batman. Hop. Donc, magnifique ce jeu, hein, franchement, sincèrement. Déjà, la première cinématique, elle envoie directement du pâté. Pas du pâté. Allez hop, on va voir ce qui est nouveau, Jim. Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Ah, voilà, vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre,
La nuit va être longue. Hyper longue. Tu savais, mon pauvre Jim Gordon. Hey, Batman. C'est Whoopi Goldberg qui parle en même temps, c'est pas ça? Putain, c'est ouf. Oh bah ça va, il était pas très loin non plus. Je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père? Il tient le coup. Qu'il arrive, il tient toujours le coup. Je sais pas ce qu'est le délire de mon micro là. Voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudent. Il craque. Ça risque d'être délicat. Ouais, j'ai dû mettre en pause, désolé, parce que mon micro a coupé. Pas savoir, je sais pas ce qu'il a, putain, je sais pas ce que je veux dire. J'aime pas trop ça. Désolé, là, j'ai dû mettre en pause, hein, que... Ouais, c'est bien, quoi. Il y a toujours un truc qui va pas dans les rewards, c'est ouf. Tout à l'heure, enfin, c'est pour dire que tout à l'heure, j'ai record aussi. Donc c'est pas l'article que vous voyez actuellement. Donc je me suis arrêté là, mais putain, il a recoupé au même endroit. Putain, mais pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Tic 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 tic. Non, pitié. Cette ville, c'est plus la vôtre maintenant. On aurait mieux fait de partir avec les autres. Putain, quand même. On a bien cherché à vouloir jouer les héros. Pitié. Cassez-lui la mâchoire. Bâton. Regardez, ça fuit là-bas. Il y en a qui s'enfuient, putain de lock, de merde. Putain, mais alors ça, sans prendre un flic tout seul. Pas de problème, mais putain, sans prendre un Batman. Bam. Et voilà. Vous ne risquez plus rien. Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient tuer. Oh putain, chauffard! Ouais, c'est pas passé loin. La ville est envahie. C'est pas passé loin. On a aucune chance. Écraser. Restez ici. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? J'équilibre le jeu. Ah ouais, ce passage. Ce passage est une force incroyable. Je le trouve tellement classe ce passage. Et là voilà. Oh c'est roux, c'est ça. Oh. Oracle, j'ai besoin de traquer ce véhicule. Magnifique. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Rappelez vos hommes. C'est parti. Golf Oscar 5-6, ici le commissaire Gordon. J'annule la poursuite. C'est trop dangereux. Chef, on y est presque. On peut avoir ces fumiers. Wow. Ils viennent de nous balancer une roquette. Mais qui c'est, ces types? 5-6, repliez-vous tout de suite. C'est un ordre. Laissez Batman s'en occuper. 56 a essuyé un tir de roquette. Ils ont été éliminés. Vous devez les arrêter. Ne vous inquiétez pas, Jim. Il est à moi. Je viens. Ah, l'enfoiré. Le véhicule suspect est en train d'attaque. Il m'a trollé. Ici Guardian 1. Face au suspect au nord de Gotham. Et mange ton père. Ah. Et voilà pour le véhicule. J'interroge le conducteur pour déterminer ce qu'il sait. On va l'interroger, il est là. Oh ce crâne. Où est l'épouvantail? Va te faire foutre. Mais dis donc, c'est pas des manières ça. Où il est? Je n'ai
n'ai rien à te raconter, Batman. Parle, ou je réduis tous tes os en miettes. Ok, ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi? Je me défrise, on commence à craquer. Il a quand même un fort pouvoir de persuasion, Batman, hein, parce que putain... Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire? L'épouvantail a un repère à loin. Ça te regarde? Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qui nous manquait. Il est là, hein. Je sais pas du tout où est. Ouais, grave tout merdier. C'est ici. Je devrais aller jeter un œil à l'appartement du dernier étage. Oula, oula, oula. Et boum! Ah, je respecte pas, moi j'ai pas le temps. Vous devriez revoir votre tac 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 tac. J'ai vu des arbres qui avaient de pires réflexes. Ah, ça vient de leur balancer quoi. Oh, skill! Skill de Batman quoi. Pouf. Voilà qui rend les choses un peu plus intéressantes. Monsieur, Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman. J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien. Oh oui, ça va. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je vais exploser la cervelle. Charme. C'est moi la bête de foire. Nous sortira de cette cellule. Non. 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 Qu'est-ce qu'il a vu? Rien, nouveau, une petite. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, ouais, c'est qu'un jeu, certes, hein. On peut le dire, mais franchement, Poison Ivy dans les arcs, quand même. Pouah, qu'est-ce qu'elle envoie du pâté physiquement? C'est super sexy quoi. Oh, mis à part qu'elle a des veines, enfin des racines d'arbres un peu de partout. Franchement, moi... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé? Même pas bonjour. Ça te regarde pas. Dis-moi. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. Qu'est-ce que poignet? Ah non. J'étais à la réunion. Quelle réunion? Il y avait tout le monde. Le pingouin, double face, l'homme mystère, même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter. Et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. La zone derrière. Bah ouais. Voilà. Il n'apprendra donc jamais. Il n'apprendra donc jamais. Facile, hein. Il a pas de pouvoir, lui, hein. D'abord. Ah, sois pas dégueu. Viens avec moi. Il suffisait de demander. C'est le passage que je vous rappelle à mes yeux, hein, par cœur, pas. Mais... Voilà, par contre je me rappelle. D'accord. D'accord, bonjour. C'est pourquoi? Go, go,
Vous me tuez moi, d'accord. Elle est coincée. Ne bouge pas. C'est lui, vous êtes sûr? Qui est coincé? Voisin Ivy ou Batman? Ah, je suis pas une fille. Le tank qui leur sert de renfort et sans pilote. Bah, hop, allez, fais péter la Batmobile. Yes. Oh, ça te missile, quoi. Batman, je détecte 6 autres tanks télécommandés dans Chinatown. Ils seront là. Vas-y, amène. Oh, stylé, quoi. Je comprends pas encore mon casque. Pas vraiment que je vois c'est quoi ce problème. Tu vas exploser, oui. Bon, les tanks quand vous voulez. Hop là. Alors quand je suis sur la ligne rouge, ça veut dire qu'ils vont en ligne de mire et qu'ils vont toucher et qu'il y a un shoot. Putain, c'est chaud là. Ouf. Voilà, allez voir. Allez, en voiture Ivy. C'est toi qui conduis, partir. C'est moi qui pilote, toi ou je sais plus. J'ai besoin de savoir d'où viennent ces temps. T'as la vue que tu dois avoir, c'est dégueulasse quand même. Plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. The war is begun. J'ai hésité à vous le mettre en VO avec avec le sous-titre français, mais je me suis dit que... Ah, pour ceux qui ont un peu la flemme de lire, ça sert à rien. Ok, ah non, je vais pas me faire ça. Bon, c'est chiant, ça. Il t'oblige à faire l'entraînement de la Batmobile, je sais pas quoi. C'est con qui t'oblige à faire ça parce que juste avant en fait ils te mettent en situation de guerre alors que ben bah, tu connais les touches quoi maintenant c'est débile quoi, ça je comprends pas. J'ai tourné. Voilà, je suis en train de charger le barrage de missiles, vous voyez, c'est les petites barres bleues là, je suis en train de remplir, bah, du coup maintenant le devient vert, c'est un téléphone, mais... J'arrive pas à le voir lui. Oh, bah dis donc. Ça fait décidément. Non, attention. Et voilà, fait péter le barrage de missiles. C'est le one shot, hein. Ça va. C'est bien, on a des petits réacteurs qui permettent d'esquiver ces missiles en appuyant sur A. Ça ne dit pas évidemment dans l'entraînement. Hein. Je regarde un peu ce que c'est. Putain, allez, je suis en chie là, putain. Et en temps, j'ai pas touché. Ah, ne bouge pas. Allez, salut les copines. Finalisation batalien. Allez, attends, repas. Ouf, j'ai cru que j'avais appuyé sur essayer. Là, je me serais mode. Je me serais mode. J'ai prévu le GCPD pour que leurs hommes. Ah, tu trouves la vue. J'y vais immédiatement. Ça, je sais pas. Ici le commissaire Gordon. Plusieurs tanks hostiles ont été déployés à travers la ville. Gotham est attaqué.
Eh, je m'en sors bien, dis donc. Et retourne immédiatement au GCPD. On n'est pas équipé pour faire face à tout ça. Oh putain, alors en fait, c'est hyper compliqué avec mon directeur. Je dis pas je conduis mieux comme ça. Bonjour, c'est moi. Je sais, j'utilise un peu mes missiles en solo, mais vu qu'il y a un peu de monde, comme vous pouvez voir sur la minimap à droite, c'est un peu le bordel. C'est quoi ça? Est-ce que ça compte que je suis piqué tout le temps? Quoi? Voilà, voilà, j'ai fait le ménage. Jim, vos hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. Tant mieux. Oui, mais... Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Je vais avoir besoin de la chambre d'isolement du GCPD. J'amène ailleurs. Voilà. Ah, c'est pas là. Mec, tellement au hasard, quoi. Alors, on va déposer Ivy, on finira le premier épisode ici. Putain, j'ai ces problèmes de micro qui m'emmerdent, du genre, putain, c'est quoi ça coupe. Bah oui, qui veux-tu que ça soit? L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? Ta mère. Putain. T'as qu'à prendre le taxi la prochaine fois, merde. C'est où ça? Satisfaite? C'est grave, faut qu'il apprenne à conduire. Enfin, si, quand on l'a assis dans le coffre. L'épouvantail va te briser. Ouais, je peux faire ce regard. Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains? Ah, c'est pas civils, qui à qui on a pété le bras tout à l'heure, ça. On a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait. C'est la tenez, regardez qui est là. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moi. La cellule d'isolement est prête. Ouais, ravi que vous en fassiez bon usage. Je suis pas sûr qu'elle soit un grand nom, mais Ivy, puisque... Ouais, enfin, voilà, ça l'a juste tenté, c'est du fait Batman, c'est un classique, voilà. Je veux pas dire qu'elle soit méchante, bon, faut pas non plus... Hein. On va pas se mentir, hein. Ouais, complètement mieux, allez, ciao. D'où je viens de là, ils n'ont qu'à m'envoyer la facture quand ce sera fini. Allez au diable! Foutu bureaucrate! Ah bah dis donc, c'est sympa, on est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Vas-y, Cash, maintenant. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. D'accord. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Ta fille. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Ok, il nous propose de choisir l'émission, donc on va la choisir pour le prochain... pour le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on va se faire? Est-ce qu'on va aller continuer la chasse à la terreur, empêcher l'épouvantail de faire exploser la bombe toxine de terreur? On est qu'à 5%, donc c'est très peu. Ah, l'homme mystère, pas encore parce que c'est long l'émission de l'homme mystère. Le crime parfait, alors, examiner le corps mutilé, exposé, non, ou peut-être, on va faire je pense les soldats du feu lors du prochain épisode.
Pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va juste aller rejoindre l'oracle, comme promis. Je vais les rejoindre. Hop. Je m'occuperai de ça. Allez, on va faire ça. L'épouvantail est la priorité. Allez, hop, je m'en casse. Ouais, pauvre gars, il va plus pouvoir se regarder. Hé, hey, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Il m'a cassé le poignet pour rien. Il avait projet pour toi, Batman. Ah, c'était bien, lui. Ah, j'avais juste capté, en fait, avec son bras cassé. Je me suis dit, putain. Mais what? Et cassez-vous le même Batmobile, vous? Il s'est changé en tank. Allez. Bonsoir, monsieur Wayne. Ouais, je vous espérais que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, monsieur, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de combustion. Merci, monsieur. Oh putain! Vous voulez pas remercier? C'est un gérable truc! Essayez de ne pas faire de sortie de route. J'aurai bientôt de nouvelles améliorations. Je pense que c'était là, non ? Allez. Attends, 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 l'horloge. Non, si je veux pas la louper, mon gars. C'est le tour, il y a une horloge. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est le quartier général d'Oracle. Allez, on s'en bat les couilles, ce qu'il dit. Je me rappelle, ouais, ça va se tuer. Ouais, ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Tic. Identité confirmée. Bonjour, monsieur Wayne. On fouille dans l'ordinateur de l'oracle. Sympa. Bah, c'est vrai, il passe dommage. Et en fait, c'est la toxine. Farfouiller dans vos affaires. Vous avez réussi à réduire le composé à ses éléments de base. Mais il ne contient rien qu'on puisse traquer. Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens. Si au lieu de chercher la toxine, on se tournait vers son processus de fabrication. J'aurais dû y penser. La réaction génère un pic de radiation unique. Scanner la ville et trouver cette empreinte énergétique. Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine. Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites. On n'a pas le temps. Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma. Bruce, j'ai eu mon père. Je déteste lui mentir. Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville. Il s'en veut encore pour ça. On arrêtera l'épouvantail. Ouais, on l'arrêtera pas dans cet épisode en tout cas, ni dans le prochain, mais ça va durer cette série, pardon. Je trouvais plus mes mots. Enfin, c'est horrible. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Il était un peu court, hein. C'était un peu une initiation à la Batmobile, certes, mais c'était plutôt pas mal, c'était plutôt intéressant, surtout sur le plan de l'histoire. Donc l'histoire est belle et bien lancée. On a rendez-vous au studio cinéma, mais ça sera lors du prochain épisode. Sur ce, je vous dis, amusez-vous bien, j'espère que cet épisode vous aura plu, évidemment. N'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, c'est toujours top. Et partagez la vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous pour voir la suite. Et puis voilà, mettez des commentaires, je vous répondrai dès que je peux. Voilà, bisous, à plus.